Salut les amis, aujourd'hui c'est rendez-vous donc à la clinique du parc où j'étais l'année dernière, où j'étais resté 2 mois après mon opération et après l'échec en fait que j'avais eu au CHU de Nice. Donc, comme vous le savez, j'ai eu une infection après mon opération post-opératoire à l'hôpital de Nice où je suis resté 1 mois pour rien au final. Et donc j'étais parti pour aller aux urgences de la clinique du parc à Montpellier où là, ils ont trouvé tout de suite ce que j'avais, donc ce que ça s'appelle une spondylodysite. Donc c'est-à-dire que c'était la bactérie que j'ai eue pendant l'opération qui m'a bouffé les disques et les vertèbres. Donc ça a été un épisode horrible, hein, comme vous savez, pour ceux qui m'ont suivi. Et donc voilà, je vais pas tout récapituler parce que ça serait beaucoup trop long. Donc j'avais fait suffisamment de vidéos là-dessus, donc allez les voir si vous les avez pas vues. Et en gros aujourd'hui, c'est un an après où pour contrôler un petit peu où ça en est. Donc là j'ai rendez-vous avec pour mon IRM déjà. Et ensuite, rendez-vous avec le chirurgien. Donc voilà, IRM, j'aime pas trop, j'aime pas du tout même. Parce que je suis un peu claustro. Et ensuite, rendez-vous avec le chirurgien pour voir les suites, hein, tout simplement, de ce qui va se passer après. Donc, allez, c'est parti. Voilà les amis, donc IRM terminé, rendez-vous aussi chez le chirurgien. En gros, hop, résultat ici. Je vais vous expliquer tout ça, je vous montre tout ça en détail. Hop là, alors. Le compte rendu, donc voilà, c'était par rapport à la spondylodysite que j'avais eue. Spondylodysite, en gros, ça veut dire que c'est une inflammation à la fois des vertèbres et des disques. Tout ça à cause de donc la bactérie que j'avais attrapée au CHU de Nice. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une régression de certaines choses. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration à certains endroits, mais par contre, au niveau des plateaux vertébraux, c'est-à-dire au niveau des vertèbres, il y a encore de grosses inflammations. Il n'y a pas de. Il n'y a plus de hernie, on va dire, mais il y a un net pincement discal. Ça veut dire que c'est encore très très inflammatoire. Là d'ailleurs, vous pouvez le voir aisément là sur les clichés. Donc en gros, les pincements discaux, donc c'est ici. Et ici, mais le pire c'est là, il y a presque plus de disques, donc en gros j'ai perdu, le chirurgien m'a dit que j'avais perdu un peu plus d'un centimètre là avec les deux disques, donc ils se touchent presque, donc ça peut se souder dans le temps, mais pour l'instant c'est comme ça, donc c'est pour ça que les douleurs continuent. Là vous pouvez voir cette grosse tache, en gros ça veut dire que c'est les vertèbres qui sont encore bien bien inflammées. Qui ont été donc c'est celles qui ont été touchées donc par la bactérie, donc et au niveau aussi de la courbure lombaire, j'avais l'hyperlordose, elle a un peu disparu, donc ça veut dire que je suis beaucoup plus droit ici qu'avant, mais les autres disques du coup ils m'ont expliqué que ça avait ça s'était adapté, là on voit aussi très bien ici, c'est tout noir, donc on voit plus du tout le disque quasiment. Ici c'est tout noir aussi, et là les deux vertèbres sont presque soudées, on dirait. Donc voilà les amis, le chirurgien ne me préconise pas pour l'instant de me faire opérer, et puis de toute façon j'en ai vraiment pas envie avec tout ce qui s'est passé, je suis vraiment pas prêt et physiquement et psychologiquement à recommencer une opération, donc c'est hors de question de toute façon. Je préfère avoir encore mal pendant un certain temps, donc il m'a dit que mon état n'était pas encore stabilisé, donc ça veut dire que y aura une amélioration encore, donc d'ici encore un an, ça peut prendre encore un an, donc je le revois dans un an pour faire le point encore à nouveau, donc il va falloir que je sois encore patient, que je supporte encore ces douleurs, mais ça diminue quand même progressivement, donc tout va bien quand même malgré tout. Pas de contre-indication particulière, donc je peux continuer à m'entraîner, bien sûr en faisant très attention, et de toute façon il m'a dit que c'est mon corps qui me le rappellerait, et qui m'empêcherait de faire certains mouvements ou quoi, donc de toute façon c'est tout simplement moi qui le sentirais, mais de toute façon je prends aucun risque, comme vous le voyez je m'entraîne quand même assez plus léger qu'avant, avec des mouvements adaptés à ma situation,
Du coup, voilà, de ce côté-là. Après les compétitions, c'est vrai que ça serait vraiment très risqué. Donc, bon, lui, pour lui, clairement, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Étant donné que déjà, comme vous le voyez sur les clichés, j'ai quasiment un disque qui est presque inexistant. Et étant donné que les compétitions en fin de sèche, ça assèche encore plus, ça déshydrate encore plus le corps et les disques en particulier, ça risquerait d'être assez, disons, important et dangereux, je pense. Donc voilà, les compétitions vraiment poussées, c'est pas à l'ordre du jour, du coup, pas pour tout de suite. Donc voilà. Et bon, ça m'empêche pas de faire une sèche pour moi, sans aller non plus dans l'extrême. Et puis ça m'empêche pas de continuer à m'entraîner comme je le fais, avoir une vie normale, donc voilà. Et d'ailleurs, on va aller s'entraîner là maintenant et on va faire les épaules, les amis. Donc voilà, c'est parti, on va à Fitness Park Van d'Argue pour une séance d'épaules. Allez, let's go. Ah, ça commence bien. Allez, on se retrouve à Fitness Park Van d'Argue, les amis. Donc vous voyez là, pour l'échauffement, c'est pas mal ça. Tous ces escaliers à monter, hop. Allez. Allez, suivez-moi les amis, aujourd'hui c'est parti, c'est séance épaules. Allez, go.
séance épaule est terminée les amis, donc pour récapituler la séance, j'aime bien donc commencer par les poulies vis-à-vis, donc pour réchauffer bien les articulations, échauffer bien les épaules et du coup pré-fatiguer aussi, parce que c'est vrai que voilà, si j'attaque direct par le mouvement de base, je sens pas vraiment les épaules et puis les douleurs aussi commencent très vite, donc voilà. Là du coup j'ai commencé par deux exercices différents à la poulie, donc le premier c'était poulie vis-à-vis croisée avec les poulies mises en bas et donc avec une espèce d'élévation comme ceci dans ce sens là, et le deuxième exercice à la poulie c'était plus comme ceci, donc avec les poulies plus centrées vers le milieu. Et donc après donc ces deux petits exercices là, donc là c'était plutôt des séries de 15 environ, voilà, pour bien chauffer, et 4 séries pour chacun des deux exercices poulies. Et ensuite donc j'ai enchaîné avec l'exercice de base, donc voilà, dans les séances, que ce soit épaule, pec ou n'importe quoi, j'essaye toujours d'avoir un exercice de base dans la séance et puis de varier de temps en temps aussi. Donc là l'exercice de base pour cette séance c'était donc le développé militaire debout à la barre guidée. Donc voilà, j'ai bien ressenti les épaules avec celui-là parce que le mouvement est assez fluide du coup à la barre guidée avec une tension continue. Donc voilà, et ensuite je suis passé élévation latérale. Au lieu de le faire aux haltères normales, je l'ai fait avec une barre, donc une barre courte, mais ce qui permet en fait un petit déséquilibre. Donc c'est vrai que ça change légèrement. Si vous avez jamais essayé, testez-le celui-là. Donc au lieu de prendre un haltère normal avec une barre, et du coup on est plus déséquilibré et le mouvement est légèrement différent. Si vous n'êtes pas habitué à le faire, vous allez ressentir directement voilà, l'effet et puis les courbatures après qui vont suivre les jours d'après. Et ensuite j'ai enchaîné avec un bicep, donc plus pour arrière d'épaule et puis le devant des épaules. Donc c'était bicep, c'était oiseau sur banc, buste penché, et enchaîné avec élévation frontale, donc aux haltères. Et j'ai enfin fini la séance par donc les trapèzes, donc trapèzes 5 séries à la machine. Donc c'est une machine qui permet de faire soit les soulevés de terre ou autre d'ailleurs, mais voilà, celui-là on peut s'en servir aussi donc pour les trapèzes, super machine. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette séance d'épaule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, à vous abonner à la chaîne surtout, et suivez-moi sur Instagram, voilà, pour ne rien louper de tout ce que je partage dans mes stories, mes posts et tout ça. Et je vous dis à très bientôt les amis, merci à vous, bye.